Personnage dans le film de Lelouch, j'ai repris la phrase. Oui. Il est atteint d'un cancer. Votre personnage finit par lâcher cette maladie, m'a permis de savoir où j'en étais. En ce moment, vous vous dites, je fais un peu le bilan, je regarde, j'observe quand j'entends ce genre de choses, non ? Non. Non, parce que ça fait partie du parcours improbable. Quand on a 70 ans et plus, il faut accepter qu'à un moment donné, on va aller vers l'épreuve ultime, qui est la mort. Et pour moi, c'est pas une catastrophe. J'ai vécu d'une manière incroyable, formidable, chanceux. J'ai connu des moments de bonheur inimaginables. J'ai une famille depuis 42 ans avec la même femme. Mes enfants sont tous en bonne santé, mes petits-enfants aussi. Bon, voilà, j'ai pas envie de partir, hein. Mais il faut avoir la raison de se dire, quand ça tombe sur un petit couple où la femme a 35 ans, 3 enfants, qu'elle se fait un cancer du sein, reconnaissez que c'est un autre truc, quoi. Donc, voilà, je le prends comme une épreuve supplémentaire qui s'ajoute à celle que je viens de vivre là pendant quelques années. Un journaliste vous pose la question. Monsieur Tapie, vous êtes victime d'un acharnement. Et vous répondez quoi ? Demandez à mon estomac. Oui. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que le professeur Sarfati et monsieur Gornet, qui est mon cancérologue, je leur dis, mais enfin, pourquoi j'ai une tumeur aussi grave à l'estomac alors que... En général, c'est les gens qui boivent bien, qui fument bien, qui bouffent bien. Il m'a dit, vous avez entendu parler de se faire du mauvais sang ? Oui. Et vous avez ce que c'est, l'expression populaire, se faire de la bile ? Ben, j'ai dit oui. Il me dit, ben voilà, vous avez compris pourquoi vous avez un cancer. Voilà. Quand vous dites pas d'erreur, il n'y a pas eu d'erreur dans tout ça ? Bien sûr, il y en a eu plein. Quoi ? Mais il y en a eu plein parce que, de temps en temps... Je rentrais dans des milieux nouveaux. Le cyclisme, je gagne le Tour de France. Je rentre dans le football, je gagne la Coupe d'Europe. Je rentre en politique, je suis ministre. Il faut savoir rentrer dans les milieux, prendre le temps de se faire accepter. C'est au rentrant de faire la démarche. Je ne l'ai pas faite. Moi, la Ligue, ils voulaient. J'ai dit, merde, qu'est-ce que je vais foutre de la Ligue ? Donc, je n'ai pas fait ce que mon père ou ma mère ou mon frère, s'ils avaient été dans les tiroirs du haut, m'auraient dit. M'aurait dit, Bernard, ça, on le fait pas. Ne les provoque pas. Sois modeste. Ne la ramène pas. Bon, bref. Ce que je dis à mon fils maintenant... Vous l'avez un peu ramené, quand même, de temps. Oui, bien sûr. Trop ? Bah, je l'ai fait comme je le sentais. Et apparemment, c'était trop.